Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au Musée d'ethnographie. Ça nous fait très plaisir de vous voir aussi nombreux. On a la chance d'accueillir un hôte de marque, monsieur Philippe Descola, chercheur émérite dont les travaux ont beaucoup influencé les sciences humaines, enseignant qui a travaillé dans les plus grandes écoles de France et du monde, et puis accessoirement aussi un vulgarisateur hors pair qui, avec certaines de ses publications, a su toucher un lectorat bien au-delà des frontières du milieu académique, donc ce qui est vraiment aussi un grand talent. Et je pense que votre nom, ce soir, témoigne de ces différentes qualités. Alors, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec le parcours de Philippe Descola, je vais juste rappeler quelques jalons. Il a d'abord fait des études de philosophie à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, avant de se tourner vers l'ethnologie, en suivant des cours, notamment à Paris 10 et à l'École pratique des hautes études. Il a ensuite effectué une recherche de terrain en Amazonie équatorienne, pour être exact, auprès des Achuar, entre 1976 et 1979. Et de cette expérience, il va tirer une thèse et une matière qui va alimenter énormément de publications, d'articles, de livres, et qui va irriguer sa pensée en fait, jusqu'à l'heure actuelle. En termes de parcours académique, après son retour d'Amazonie, il est nommé maître de conférence puis directeur d'études à la fameuse école des hautes études en sciences sociales à Paris. Et en plus de ses mandats, il va aussi occuper la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France entre 2000 et 2019, en même temps que la direction du laboratoire d'anthropologie sciences sociales fondé par Paul Lévi-Strauss entre 2001 et 2013. Et comme si tout ça n'était pas suffisant, il a été professeur invité, il est encore professeur invité dans un nombre incalculable d'universités. Je me suis amusé à faire une liste et on a convenu en remontant du repas. C'était inutile de vous la lire, ça fait des pages et des pages. Donc, un exercice plutôt exténu. Tout au long de cette fructueuse carrière, les travaux de Philippe Descola vont bien sûr gagner en généralité. Mais il s'articule autour d'une trame remarquablement cohérente, un questionnement sur les relations que les sociétés humaines entretiennent avec leur environnement et qui va aboutir à remettre en cause ce vieux dualisme entre nature et culture. Donc, en résumé, cette manière de penser la nature comme quelque chose d'extérieur à l'homme va apparaître comme une simple ontologie parmi d'autres, une ontologie qui est caractéristique de la pensée moderne occidentale, mais qui ne résume pas, et de loin pas, toutes les manières d'habiter le monde. Cette brèche va profondément impacter les sciences humaines en ouvrant énormément de nouvelles pistes de recherche et de réflexion. Tous ces thèmes vont être abordés de différentes manières dans la conférence de ce soir, mais sous un angle particulier lié à l'image que je laisse Grégoire vous présenter. Faire image, ou plutôt fabriquer des images, tel était le propos développé dans l'exposition qui s'est tenue au Quai Branly du 16 février 2010 au 11 juillet 2011, dont le commissaire était notre hôte de ce soir. Lorsque nous avons réfléchi avec Marie-Léa Zwalen, qui est responsable du club 44, avec qui nous avons organisé cet événement, à la forme que vous pouvez prendre une invitation commune, l'idée d'évoquer au MEN la réflexion construite autour de la fabrique des images, vision du monde et forme de la représentation nous a semblé toute naturelle. Toute naturelle. Réfléchir aux manières d'exposer, de mettre en scène un propos, nous passionne évidemment au MEN. Et il nous semblait, avec Marie-Léa, intéressant de donner accès dans cette conférence à un autre aspect de la pensée à la fois foisonnante et structurée de Philippe Descola pour permettre au public neuchâtelois d'approfondir la connaissance de son œuvre.
À la suite d'une réflexion sur l'anthropologie des mondes futurs, il sera donc question ce soir d'images, de manières différentes d'exprimer et de rendre visibles les ontologies, ou pour reprendre ces mots, des ensembles de qualités décelées dans les êtres et les choses. Dans cette exposition, et dans le catalogue qui l'accompagnait, les quatre ontologies, l'animisme, le naturalisme, le totémisme et l'analogisme, que le penseur a identifié dans le bel éventail des cultures du monde, était appréhendé par des figures de formes variées, rendant visible, je cite, la variété des façons de vivre l'expérience du monde. Nous sommes donc heureux de parler avec lui, de partir avec lui à la découverte d'un monde animé, d'un monde subjectif, d'un monde subdivisé et d'un monde enchevêtré. Nul doute que les interprétations anthropologiques des images qu'il nous propose ce soir, provenant de tous les continents, stimuleront nos imaginaires en prolongeant la question fondamentale à laquelle l'exposition du Quai Branly tentait de répondre : que cherche-t-on à objectiver en figurant ? Merci beaucoup, cher Philippe Descola, de nous proposer ce soir un voyage sensible dans la manière stimulante dont vous lisez le monde. Merci à Marie-Léa et au Club 44 pour cette organisation commune. Merci à la Société des Amis du Musée d'Ethnographie, la SAMEN, et à sa présidente Susanna Derry pour le soutien apporté à toutes les manifestations, conférences et animations du MEN. Merci à Noémie Houlvet pour la logistique, la communication, le tournage et la diffusion ce soir en ligne de la conférence. Merci à Sylvia Perret pour les réservations, à Louis Schneider et Stéphanie Demière pour l'accueil et le café. Et bonne conférence, à tout à l'heure. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. En parlant tout à l'heure avec Pierre Sanslivre, j'essayais de me souvenir, nous essayons de nous souvenir de la dernière fois où j'étais venu au musée d'ethnographie. Et comme il était à l'époque en charge, ça fait pas mal d'années, je crois que ça fait plus de 25 ans. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je reviens ici. Et pour vous parler des images, il faut que je fasse un petit retour en arrière pour vous expliquer pourquoi je me suis intéressé aux images. Je me suis intéressé aux images parce que ce que j'ai appelé l'anthropologie de la nature, c'est-à-dire la tentative de donner à comprendre quelles étaient les différentes formes de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains que l'on pouvait repérer autour de la planète, je m'étais attaché pour l'essentiel à les mettre en évidence à partir de textes, à partir de discours rapportés ou directs, c'est-à-dire à partir d'une expérience ethnographique, bien sûr, dont je vais dire un mot tout à l'heure, mais aussi à partir de la lecture de mes collègues, à partir de la lecture de livres d'histoire, à partir de la lecture de traités philosophiques ou médicaux. Et ça n'est qu'à l'achèvement de ce programme que j'avais déroulé dans un livre que j'ai publié en 2005, « Par de la nature et culture », que je me suis dit, si ces propositions ont une validité, on devrait pouvoir les mettre en évidence ailleurs que sur la base de discours, et les images constituent évidemment un terrain d'investigation extrêmement intéressant pour ce faire. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'étude des images. Alors, en quoi consistent les propositions? On l'a dit il y a un moment, plusieurs d'entre vous connaissent déjà ce que j'ai fait à ce propos, je vais juste le rappeler brièvement. Mon expérience ethnographique chez les Atchouars m'a confronté à une façon de percevoir des continuités, des discontinuités entre les humains et les non-humains qui était très différente de celle que j'avais amenée avec moi dans ma musette conceptuelle, que j'avais acquis à la fois comme d'abord un étudiant en philosophie, ensuite comme un élève de Strauss, et qui tenait pour acquis, et voire universel, implicitement en tout cas, une distinction entre nature et société. Et l'expérience ethnographique chez les Atchouars montrait qu'il n'en était rien, puisque les Atchouars non seulement n'avaient aucune
qu'une notion qui pouvait correspondre à ce que nous appelons la nature, mais que ils avaient au fond introduit les non-humains à l'intérieur de leur vie sociale en les traitant, les plantes, les animaux, les esprits, comme des partenaires sociaux avec lesquels ils échangeaient au jour le jour, ils communiquaient dans les rêves et par l'intermédiaire d'incantations magiques, sans pour autant les sacraliser, mais en les traitant comme des personnes. Et si j'emploie le mot « personne », c'est à dessein, c'est le terme « atchoir » pour « personne », ce que l'on peut traduire en français par « personne », c'est « eins », et « eins », ce sont tous les êtres qui ont une intériorité et qui, de ce fait, se prêtent à ce que l'on puisse communiquer avec elles ou avec eux. Et donc, le grand anthropologue américain Al Lowell avait déjà montré à propos des Ojibwas, dans le monde, il y a des personnes autres qu'humaines avec lesquelles on peut discuter, négocier, s'entendre ou pas, en tout cas qu'on peut traiter comme des alter-ego, même si ces alter-ego, on les mange, on les détruit à l'occasion, etc., comme on le fait avec d'autres humains de toute façon. Et donc, cette façon de voir les choses qui m'avait beaucoup frappé m'a conduit à entamer une enquête au long cours que j'ai développée dans le cadre de mon séminaire de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales sur des façons analogues. C'est à cette occasion que j'ai découvert à Lowell, justement, que je n'avais pas lu avant mon départ en Amazonie, sur des façons analogues de concevoir les continuités, les discontinuités entre humains et non-humains, qui étaient évidentes d'abord, je citais à Lowell, donc dans les populations autochtones du nord de l'Amérique du Nord, bien sûr en Sibérie, dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est, dans certaines régions de Mélanésie aussi, et qui était fondée, comme chez les Atchouars, sur le fait que les non-humains sont dotés d'une intériorité analogue à celle des humains, que ce sont donc des personnes avec lesquelles on peut traiter au quotidien, mais qu'en revanche, chaque forme de vie a des dispositions physiques qui lui donnent accès à un segment du monde singulier, lequel segment du monde est comme une sorte de prolongement des capacités, des potentialités de ces personnes humaines et non humaines, d'objectiver le monde, de l'utiliser aussi, de le percevoir. La clôture que pourrait induire une telle conception, à savoir que chaque forme de vie vit dans un monde clos, qui était un peu le problème que rencontrait Jacob von Uxkull dans sa théorie éthologique qu'il a développée, qui d'une certaine façon rejoint beaucoup ce que les Atchouars et d'autres populations ont perçu. La clôture, le solipsisme en quelque sorte, qui fait que chaque espèce n'a accès, ou chaque forme de vie n'a accès qu'à une partie du monde, est ici compensée par le fait que toutes les formes de vie peuvent communiquer entre elles. Et donc il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de solipsisme, ce qui est évidemment une solution extrêmement élégante au problème de l'isolation à l'intérieur du monde. Et je me suis rendu compte que cette façon de concevoir les continuités, les discontinuités entre humains et non-humains est exactement l'inverse de celle qui s'était déployée dans la modernité européenne et que j'ai appelée le naturalisme et qui est fondée au contraire sur l'exceptionnalité humaine du point de vue des capacités subjectives que les humains possèdent et qui les rendent différents, distincts de toutes les autres êtres et organismes et éléments du monde par ailleurs, mais qu'en revanche, à partir du XVIIe siècle, et notamment depuis la théorie des animaux-machines de Descartes, il y a une idée dominante dans le naturalisme, à savoir que
chaque forme de vie en fait est dépendante de lois plus générales qui sont les lois de la nature, les lois de la physique, les lois de la chimie et de la biologie plus tard, de sorte que les humains ne sont pas des êtres à part à l'intérieur de cet ensemble de dispositions physiques dont sont dotées toutes les formes de vie ou les éléments abiotiques du monde. Donc il y avait dans les deux cas, chez les Achuars et dans ces autres populations que j'évoquais tout à l'heure et que j'ai fini par appeler animistes en utilisant un terme qui était tombé en désuétude, voire en discrédit, la différence entre les populations de l'archipel animiste et les populations européennes de la modernité était que chaque ensemble percevait des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains, mais ne faisait pas passer ces continuités, ces discontinuités au même endroit. Les discontinuités pour les animistes passaient par les dispositions physiques et les continuités et les discontinuités pour les naturalistes passaient par les dispositions morales et cognitives. Et ce premier constat m'a conduit à continuer l'enquête, parce qu'il est évident que les formes de composition des mondes, ce que j'ai appelé par la suite les formes de mondiation, c'est-à-dire les formes de perception des éléments saillants, de détection des éléments saillants, de construction systématique de ces éléments saillants, en cosmologie, en système de propriété des êtres, sont d'une beaucoup plus grande diversité que ces deux, ce premier couple, ce premier système d'opposition entre naturalisme et animisme que l'expérience de terrain m'avait conduit et les lectures ultérieures à mettre en évidence. Donc il y en a deux autres. On les a rappelés tout à l'heure, le totémisme, qui est quelque chose qui a soulevé beaucoup de perplexité lorsque, à partir de la fin du 19e siècle, on a commencé à avoir les premières ethnographies un peu précises, détaillées, rigoureuses sur les aborigènes australiens, qui a suscité beaucoup de perplexité chez les philosophes, chez les y compris chez Freud, mais aussi, bien sûr, chez les anthropologues, parce qu'on avait du mal à que des humains descendent d'un animal. Alors, il y a eu diverses solutions à ce mystère. L'une d'entre elles est bien connue, c'est celle que Claude Lévi-Strauss a proposée dans le totémisme aujourd'hui, qui est fondée sur l'idée que il ne s'agit pas d'une question de descendance d'un humain vis-à-vis d'un animal, mais d'une question purement classificatoire, c'est-à-dire que la pensée totémique utilise les discontinuités manifestes de comportement et de forme entre les espèces naturelles pour penser les discontinuités entre des groupes sociaux vus comme des espèces. Et donc, cette solution était élégante, elle prolongeait d'ailleurs des suggestions qu'avait faites Franz Boas auparavant, mais elle ne correspondait pas tout à fait précisément à la situation australienne, dans laquelle les humains et les non-humains qui composent un groupe totémique sont censés partager des qualités à la fois cognitives et physiques, qui sont issus non pas d'un ancêtre, parce qu'il s'agit, il n'y a pas d'idée d'ancestralité, mais d'un prototype en quelque sorte qui leur a transmis à ces humains et à ces non-humains ces qualités cognitives et morales partagées. Alors elles sont relativement abstraites, elles sont définies par un terme englobant et qui est le terme au moyen duquel on va désigner
la plupart du temps l'animal totémique. Et autrement dit, l'animal totémique, disons le kangourou ou le varan, n'est pas un nom de taxon, ça n'est pas un nom qui va désigner une espèce, c'est un nom de qualité, le sautillant, le rapide, l'enrobé, etc., au moyen duquel on va désigner par ailleurs une espèce animale. Donc ce qui est premier dans le nom, c'est la qualité et pas l'espèce. Donc il y a pas, ça permet d'éliminer toutes ces spéculations sur la descendance des humains par rapport à un animal, puisqu'il ne s'agit pas d'une descendance par rapport à un animal, il s'agit d'une qualité qui est partagée par des humains et par des animaux à l'intérieur d'un groupe et que un animal va instancier parce qu'on va se servir du nom de cette qualité pour désigner cet animal. Ça, c'était une troisième formule qui est manifeste dans l'ethnographie australienne, mais qu'on retrouve dans d'autres régions du monde sous une forme quelquefois plus brouillée. Et la quatrième formule, que j'ai appelée analogisme, alors là j'ai fait un peu de néologisme, puisque l'animisme et le totémisme, j'ai suivi en cela, si vous voulez, la tradition philosophique que les anthropologues ont perpétuée, à savoir que depuis 2500 ans, on parle dans des langues différentes, mais on désigne à peu près les mêmes choses, d'être, de substance, de matière, etc. Et à chaque fois, on emploie les mêmes termes pour désigner des choses différentes, en transformant la signification et la problématisation des concepts que l'on utilise pour désigner ces choses. Donc, je me suis résolu à ne pas créer de néologisme, sauf pour cette dernière formule que j'ai appelée l'analogisme. Pourquoi ? Parce qu'elle caractérise des régimes ontologiques qui sont présents dans bien des régions du monde, en particulier en Asie, en Europe, donc dans notre propre passé médiéval et dans l'Antiquité, en Afrique de l'Ouest, dans des régions autochtones des hautes terres du Pérou et de la Mésoamérique, et qui est fondée sur l'idée que le monde est composé d'une multiplicité d'éléments et que ces éléments doivent être mis en relation les uns avec les autres de façon à échapper au vertige de la diversité et par le biais de correspondances. Sinon, le monde devient invivable et impossible à conceptualiser. Et ces correspondances, elles sont fondées sur le raisonnement analogique. Et le raisonnement analogique, même s'il est universel, joue un rôle tout à fait prépondérant dans ces régimes ontologique, et c'est pour ça que j'ai appelé cette forme de mondiation analogisme. Pour vous donner un exemple d'un indice, d'une certaine façon, absolument caractéristique de l'analogisme, c'est la correspondance entre macrocosme et microcosme, c'est-à-dire entre le corps comme un monde en miniature et le cosmos, qui est tout à fait caractéristique de ces formations analogistes, mais qui est absent dans le monde, dans l'archipel animiste, comme dans les formations totémiques, et qui subsiste chez nous dans le naturalisme, comme une survivance de notre passé précisément analogiste, ce qui conduit certaines personnes à accorder foi aux horoscopes, par exemple. Et donc, ces quatre formules, je l'ai dit à l'heure, je les avais mises en évidence à partir de documents, et il m'a semblé intéressant de voir si on pouvait les retrouver dans des images, et si les images en ce sens donnaient à voir des formes de mondiation, c'est-à-dire
conceptualisation du monde, de composition du monde, et ça de façon contrastive. Et je suis donc lancé dans cette aventure, qui n'était pas une mince aventure, puisque ça supposait de prendre la totalité des images que le monde a produit, ce qui est un corpus assez vaste. J'ai sélectionné néanmoins certains types d'images au préalable, c'est-à-dire celles correspondant à des formations sociales et culturelles que j'avais déjà identifiées comme relevant plutôt d'un régime ou d'un autre. Et j'ai consacré une exposition au Musée du Quai Branly, dont on a parlé tout à l'heure, comme une sorte de dispositif expérimental pour voir si les contrastes que je percevais entre certaines images étaient perçus également par le public auquel cette exposition était destinée, qui n'avait par définition pas de connaissances préalables, au fond, des régimes figuratifs que je cherchais à mettre en évidence. Ça s'est conclu de façon positive, si je puis dire, et j'en ai à ce moment-là profité pour consacrer plusieurs cours pendant plusieurs années de cours au Collège de France à cette question de l'anthropologie des images. Et j'ai par la suite écrit un livre qui synthétise au fond toutes ces recherches, qui s'intitule « Les formes du visible », qui est paru en 2021, et qui avait trois objectifs principaux. Le premier, c'était de mettre en évidence ce que les images rendent visible en matière de construction de monde, précisément, quels sont les mécanismes que les images rendent visible à l'œil nu, c'est le cas de le dire, de l'ossature invisible du monde, une ossature qui n'est jamais nécessairement réflexive, mais que l'on doit reconstruire comme une grammaire à partir de l'étude des pratiques et des systèmes de représentation. Premier objectif, donc un objectif ontologique, si vous voulez, quel type d'être et de relation les images rendent manifeste. Deuxième objectif, dont je ne parlerai pas ce soir parce que je n'en aurai pas le temps, qui consiste à se pencher sur les mécanismes visuels au moyen desquels les différents régimes figuratifs parviennent à figurer des ontologies, parviennent à figurer cette ossature invisible du réel auquel je m'intéresse. Je vais vous en donner juste un exemple. En travaillant sur les images de façon comparative, je me suis aperçu que la plupart des images des régimes figuratifs non naturalistes étaient fondées sur le polyperspectivisme, c'est-à-dire sur le fait que l'on figure des entités du monde ou des aspects du monde en adoptant pour les figurer une diversité de points de vue. Un très bon exemple de cela, c'est une image qui est très connue, en tout cas des anthropologues, que Franz Boas a publiée il y a des années, d'un fronton d'une maison Tsimshian dans le nord de la colombie britannique, sur la côte pacifique donc, et qui représente un ours qui à première vue semble un ours figuré de face, mais qui est en réalité est un ours dont les deux côtés sont dépliés le long d'une ligne imaginaire et qui ce dépliement se donnant à voir par le fait que l'ours porte sur son front une encoche qui est le fait donc du départ de l'arrondi de son front de part et d'autre de cette ligne imaginaire. Donc on a en première approximation l'impression que c'est une image monoperspectiviste, c'est-à-dire qu'elle ne reflète la,
le point de vue d'un observateur voyant de face et représentant de face un ours, alors qu'en réalité, elle est fondée sur deux perspectives différentes, puisqu'elle donne à voir les deux côtés de cet ours. Toutes les images, y compris la plupart de celles qui sont caractéristiques de la tradition médiévale en Europe, sont des images polyperspectivistes. Ce sont des images donc, qui s'attachent à montrer une scène ou un être en adoptant différents points de vue pour le faire, alors que ce qui est caractéristique de la figuration naturaliste à partir du XVe siècle en Europe, c'est au contraire l'émulation, la figuration est vue comme l'émulation de la vision humaine, c'est-à-dire précisément du fait de contraintes physiologiques caractéristiques de la vision humaine, une vision mono-perspectiviste. Ça, c'est un exemple, si vous voulez, des caractéristiques formelles au moyen desquelles les régimes figuratifs parviennent à donner à voir certains éléments du monde. Je ne vais pas rentrer dans le détail, donc, mais je voulais juste mentionner. Et le troisième élément, dont je ne parlerai pas ce soir non plus, faute de temps, c'est le fait que, comme des historiens de l'art et des anthropologues ont commencé à le souligner depuis une trentaine d'années, disons, certains d'entre eux depuis plus longtemps, comme Abby Warburg, par exemple, les images sont des agents de la vie sociale. C'est-à-dire qu'on doit les comprendre non seulement du point de vue de leur qualité formelle, du point de vue de ce qu'elles donnent à voir, mais aussi du point de vue des effets qu'elles exercent dans la vie sociale, où on les considère comme des agents parmi d'autres qui exercent une influence sur la vie sociale. Et ce que j'ai essayé, alors c'est une idée qui a été développée en anthropologie, en particulier par un grand anthropologue anglais, Alfred Gell, mais aussi par des historiens d'art comme Horst Bredekamp, comme Friedberg, comme Belting, etc. Ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que si les images sont des agents de la vie sociale, leur façon d'agir dans la vie sociale varie en fonction des régimes figuratifs au sein desquels ces images sont mobilisées. Autrement dit, une image animiste n'est pas un agent de la même façon qu'une image totémique. Une image animiste est un agent parce que, je vais revenir dessus plus en détail tout à l'heure, il s'agit pour l'essentiel dans les figurations animistes de rendre visibles des esprits. Et on rend visibles des esprits essentiellement en les animant par un corps humain, par des récits aussi bien sûr, qui leur donne une vigueur d'expression et une impression d'autonomie qui est très puissante et qui fait quelque sorte illusion dans certaines circonstances. Alors que les images sont des agents dans les dispositifs totémiques parce que elles donne à voir les traces des actions que des êtres prototypiques ont menées à une certaine époque, il y a longtemps, et dont les humains et les non-humains sont maintenant tributaires parce qu'ils ont hérité des qualités que ces prototypes ont léguées. Et ça, ces traces, elles sont figurées littéralement comme des traces, c'est-à-dire comme des indices, et par exemple dans les rituels de l'Australie centrale qui font intervenir ces prototypes que j'évoquais à l'instant. On ne procède pas du tout comme dans le monde animiste, mais les danseurs qui figurent ces êtres prototypiques portent des parures
et des peintures qui retracent l'itinéraire que les êtres prototypiques ont suivi à la surface de la Terre. Donc ce n'est pas une puissance d'agir qui est rendue manifeste par un phénomène d'iconicité, ce n'est pas une ressemblance, c'est une puissance d'agir qui est manifestée par la trace encore frémissante, si vous voulez, inscrite sur les corps de ce que ces êtres ont accompli lorsqu'ils vivaient, ces êtres prototypiques, lorsqu'ils vivaient à la surface de la Terre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais consacrer l'essentiel de cette conférence à la première dimension, qu'est-ce que les images figurent dans chacun des régimes figuratifs que j'évoquais tout à l'heure. Et je vais le faire en prenant des exemples d'images, de façon à rendre mon propos plus pédagogique. Alors ça, c'est un masque Yupik. Les Yupik vivent en Alaska. Ce sont des gens qui parlent une langue esquimo apparentée à l'Inuit, enfin à l'Inuktitut, et qui, lorsque ils organisent des grands festivals ou des fêtes dans les maisons communes l'hiver pour accueillir les esprits animaux, délèguent à des danseurs humains la mission d'incarner, au sens vraiment littéral, c'est-à-dire de rendre visible sous une forme corporelle des esprits animaux. Personne ne doute que ce sont des humains qui incorporent le point de vue animal. Il ne s'agit pas de ressembler de façon immédiate, comme c'est le cas dans d'autres régions de l'animisme d'ailleurs, à ces esprits animaux. Il faut simplement signaler par un ornement, en l'occurrence par un masque, qu'il s'agit d'un esprit animal qui est doté d'une intériorité analogue à celle d'un humain. La façon la plus simple de le faire, c'est ce que ce masque montre bien, c'est de représenter, de figurer cet esprit animal, en l'occurrence c'est un renard, en incluant dans cette face, sur le front, ça peut être sur un œil, ça peut être situé dans différents endroits, un petit visage humain qui n'est pas un humain déguisé, mais qui est le symptôme d'une intériorité de type humain. Donc la façon de figurer cela, c'est de figurer un visage humain pour signifier que cet esprit animal a une intériorité de type analogue à celle des humains qui permet de communiquer de personne à personne avec les humains. Ça peut se faire de façon plus simple encore qu'en insérant un visage. Ça peut se faire avec un masque de ce type-là, dans lequel l'intériorité humaine est simplement figurée par l'inférence qu'il s'agit d'un visage humain, puisque tout à la fois le corps de l'animal ne laisse planer aucun doute sur son identité d'espèce, mais en même temps, le fait que le masque est porté avec les deux yeux qui sont rendus visibles rend manifeste que derrière, il y a un humain, et c'est cet humain qui est censé représenter l'intériorité de type humain de l'animal. Bon, il y a une façon assez spectaculaire de faire cela, c'est avec les masques qu'on appelle les masques à transformation. Ce sont des masques à volets qui sont bien connus dans la côte pacifique du Canada et qui permettent dans les rituels de dévoiler derrière un visage animal, une face animale, une petite tête de type humain qui représente précisément l'intériorité
de cette personne qui est un esprit animal. Ici, j'ai choisi ce masque à transformation parce que il est complexe en ce sens qu'il est à trois vols. Enfin, il est à trois niveaux de dévoilement. Il y a la partie extérieure qui est un chabot qui est un poisson caractéristique de ces poissons de mer caractéristiques de cette région. Il s'ouvre sur, vous voyez donc sur la partie en dessous, sur un masque de corbeau, et lequel le masque de corbeau s'ouvre finalement sur un petit visage humain qui est l'intériorité de ce personnage. Or, le masque de corbeau, c'est vraiment un masque, c'est-à-dire qu'on a le mythe, Boas a recueilli le mythe qui représente, enfin qui éclaire en quelque sorte ce masque, et c'est celui d'un personnage qui est un chabot, mais qui a des dispositions de type humain, et qui, dans certaines circonstances, porte un masque de corbeau. Et derrière le masque de corbeau, on a finalement l'intériorité de type humain qui le caractérise. Ce que ce masque et les masques précédents et ce que l'on verra après met aussi en évidence, c'est que le point absolument fondamental de la figuration animiste, c'est de mettre en évidence la capacité de métamorphose des êtres. C'est-à-dire, la métamorphose, c'est quoi? C'est le fait que l'on va saisir un être, soit sous l'apparence de sa dimension physique, soit sous les formes de son intériorité. Lorsqu'on le voit sous les formes de son intériorité, on voit un être humain. D'ailleurs, les animaux et les plantes en régime animiste se présentent, se voient eux-mêmes comme des humains et se présentent aux humains sous une forme humaine, dans les rêves. Donc la métamorphose, ce n'est pas une métamorphose au sens d'Ovid, c'est-à-dire une transformation irréversible d'un humain qui va se transformer en plante ou en animal. C'est un basculement de perspective qui va permettre de voir un être tantôt sous sa forme physique animale, tantôt sous sa forme de son intériorité, c'est-à-dire à la manière d'un humain. Et ce qui est caractéristique au fond de l'animisme, cette capacité de métamorphose se traduit par toutes sortes de récits dans toute l'ère animiste dans lesquels les corps sont vus comme des vêtements. Et d'ailleurs, le terme au moyen desquels sont sont dits les vêtements, là où on en porte, dans l'archipel analogique, c'est souvent, enfin, plus exactement, le terme au moyen duquel on désigne le corps est le même terme que celui au moyen duquel on désigne les vêtements. Autrement dit, ce qui est premier, c'est l'intériorité, qui est un support d'identité permanent, qui endosse occasionnellement d'autres corps, d'autres vêtements, de façon à présenter des apparences différentes. Et l'exercice complexe de la perception animiste, c'est d'arriver à percevoir précisément sous les dehors d'une certaine apparence physique, d'un certain type de vêtements, d'un certain type de corps, l'identité réelle de l'être à qui on fait face. Donc, dans ce domaine, les masques à transformation sont très efficaces parce qu'ils permettent de montrer la commutation qu'il y a pour passer d'une perspective à une autre, c'est de la perspective d'un corps à la perspective d'une intériorité de type humain. Ça peut se faire de façon très simple par une division latérale, dans laquelle, comme ici, alors j'ai employé l'expression homme renard, ce n'est pas une bonne expression, c'est un esprit renard dont la partie droite figure la face du renard
et dont la partie gauche figure l'intériorité de type humain du renard. Et la commutation, elle s'opère en passant d'une division latérale à l'autre. C'est donc un exercice très simple de fabrication de métamorphose. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce dispositif on vient de le voir, caractéristique des masques Yupik d'Alaska, on le retrouve très loin de là, en Malaisie, chez les peuples autochtones de Malaisie, qui sont donc non malais, en l'occurrence chez les Ma Betisek, c'est des gens qu'on appelle les Orongasli, les autochtones en fait. Et c'est un masque de chaman figure l'esprit tigre. Et le tigre, vous le voyez dans la division latérale sur la droite, et de l'autre côté, vous avez l'intériorité de type humain, l'esprit tigre, sur la gauche. Et on peut basculer, on peut opérer la commutation, la métamorphose, en se déplaçant, légèrement son regard vers la droite ou vers la gauche. Et quelquefois, verser dans une illusion du type canard-lapin, vous connaissez bien, c'est-à-dire on voit le canard et on ne voit plus que le canard, et tout d'un coup, on s'aperçoit que le canard n'est pas un canard mais un lapin, et on ne voit plus que le lapin. Et c'est cette illusion canard-lapin, qui est une illusion visuelle très connue, on peut perpétuer ou la perpétrer sur un masque de ce type-là. Il y a une autre façon, au fond, d'opérer les métamorphoses, c'est-à-dire le basculement de perspective de la dimension physique vers la dimension d'intériorité, par l'intermédiaire de peinture corporelle. C'est un dispositif qui est encore plus simple. Là, ce sont des sociétés secrètes Quakute, avec des jeunes garçons sur lesquels on va peindre un animal. Et comme vous pouvez le constater, la vue ainsi, présentée recto verso, ces animaux ne font pas grand sens. Si vous regardez la grenouille sur la droite, vous voyez que la tête de la grenouille est figurée sur les fesses, le dos de la grenouille est figuré sur le dos, les pattes arrière sur les bras et les pattes avant sur les cuisses. Or, il faut imaginer ici, c'est-à-dire dansant de telle façon que la grenouille va apparaître comme étant animée. Vous le voyez ici, on ne cherche pas à déguiser qu'il s'agit d'humains qui sont porteurs de cette figuration. Et lorsque le jeune garçon va avancer à croupetons, en fait, on va reconstituer le modèle anatomique de la grenouille, et avec ce principe que tantôt, on va apercevoir un jeune garçon, c'est-à-dire la dimension d'intériorité de type humain de cet animal. Tantôt, on va apercevoir la grenouille. C'est un phénomène à éclipse, en quelque sorte. Et donc, l'apparence de l'animal grâce au mouvement que lui imprime le danseur. Or, là aussi, on trouve, comme dans le cas du masque Ma Betisek de Malaisie, à une très très grande distance et sans qu'il y ait possibilité de diffusion entre les deux mondes, on va trouver un même dispositif très loin de la côte pacifique du Canada, dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée, chez les Kalouli, où vous avez sur la gauche un costume qui est un costume, j'allais dire indiciel, c'est-à-dire qu'il présente des éléments qui permettent d'identifier
chez un homme certaines caractéristiques de l'âge qu'il a, des rites de passage par lesquels il est passé, de son statut social, s'il a des enfants, etc. Mais qui, dans certaines circonstances, peut être employé pour figurer une métamorphose, justement. C'est l'image sur la droite. Stephen Feld, qui est l'ethnologue qui a étudié les Kalouli, qui a pris ces deux photos, dit que dans certains rituels, il faut préciser que les Kalouli, comme leurs voisins dans toute cette région des hautes terres de Nouvelle-Guinée, considèrent que les morts humains deviennent des oiseaux. Et par conséquent, le rapport aux oiseaux joue un rôle très important et certains rituels ont pour objet de rendre présents ces oiseaux, non pas sous la forme où on peut les observer sur un arbre près de la maison, mais dans la maison commune. Et un rituel qui est très important pour les Kalouli et qui dure toute la nuit consiste pour les hommes à devenir des hommes oiseaux. Vous remarquerez que sur le costume à gauche, les brassards sont sur les brassards, il y a des sortes d'éventails qui peuvent osciller comme des ailes lorsque le corps est en mouvement. Et un ami Kalouli de Stephen Feld lui dit c'est des rituels qui durent toute la nuit dans la maison commune, on est fatigué. Enfin, c'est une caractéristique des rituels, c'est-à-dire que les sons, la durée, etc., font baisser la tension. Et il dit tout d'un coup, tu somnoles et tu te réveilles, et il est là l'homme-oiseau. Il est là l'homme-oiseau. On sait très bien que c'est un homme, bien sûr, mais en même temps, il parvient à rendre perceptible cette métamorphose qui est caractéristique de la dimension de la figuration animiste. Dernier exemple, qui est un exemple amazonien, je l'ai dit tout à l'heure, dans tout l'archipel animiste, les non-humains se voient comme des humains, et ils se présentent aux humains, notamment dans les rêves, sous cette forme humaine, de sorte que lorsque un humain veut rendre visite à une communauté animale, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit se rendre identique à un animal de l'espèce qu'il veut rencontrer, et c'est-à-dire qu'il doit faire ce que font les animaux pour se différencier les uns des autres, puisqu'ils se voient tous comme des humains, c'est-à-dire porter des peintures corporelles. Chaque espèce animale a ses peintures corporelles, et donc c'est ça qui la différencie d'autres espèces animales. Et donc lorsqu'un chaman veut rendre visite aux communautés animales pour leur demander de lâcher prise, puisque ce sont les animaux qui sont responsables dans l'archipel animiste de la plus grande partie des infortunes du corps et de l'âme, il doit adopter un camouflage qui est un camouflage ontologique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas ressembler à un animal, il doit ressembler à ce qu'un animal voit lorsqu'il voit un autre animal avec un corps humain portant des peintures corporelles. Voilà, disons, les formes les plus communes de figuration l'animisme qui donne donc à voir cette chose absolument fondamentale qui est la métamorphose par commutation. Passons maintenant au naturalisme. Une chose qui est très que j'ai au fond découverte en m'intéressant aux images, c'est que le naturalisme qui naît dans les textes au XVIIe siècle, avec ce qu'on appelait la révolution scientifique ou la révolution mécaniste, apparaît dans les images beaucoup plus tôt, dès le XVe siècle, sous deux façons. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, la volonté d'émuler la vision humaine, c'est-à-dire de figurer des choses telles qu'un humain peut les voir, à
alors que dans d'autres régimes figuratifs, il ne s'agit pas du tout d'émuler la vision humaine, mais de figurer les qualités des objets que l'on veut rendre visibles. Et donc, on emploie pour cela des techniques comme celles que j'ai évoquées tout à l'heure du polyperspectivisme. Dans le cas de la figuration naturaliste, il s'agit de faire deux choses, au fond, qui sont des caractéristiques du naturalisme. Figurer le caractère exceptionnel de l'intériorité humaine par rapport aux autres êtres, et d'autre part, figurer le monde comme si... Alors, la première ambition, elle se définit par la peinture de l'âme, notamment dans les portraits. La deuxième ambition, c'est de figurer le monde comme s'il était organisé à la manière de ce qu'on appellera plus tard un système naturel, c'est-à-dire avec une disposition vraisemblable des objets qu'il compose, et un objectif qui sera atteint de différentes façons dans la peinture européenne, qui sera atteint dans la peinture de l'Europe du Nord par une obsession méticuleuse de la description des détails du monde. Et ça, c'est, on le voit ici, 1404, c'est quand même très tôt, et ce que les historiens de l'art appellent le réalisme, et qui est en réalité une forme d'illusionnisme, c'est-à-dire encore une fois la volonté de rendre, de figurer ce que un humain va voir, est ici très poussé. Je ne donnerai qu'un exemple. Par exemple, c'est les traces du pas du semeur dans la terre meuble, du champ hercé. On sait que c'est le Louvre, non pas tel qu'il existe maintenant, mais tel qu'il avait été reconstruit à cette époque. Donc il y a ce goût de la méticulosité pour définir la complexité du monde, qui va prendre en Italie du Nord une autre forme, c'est l'invention de la perspective, c'est-à-dire que, comme Panofsky l'a bien montré, le fait de construire un monde objectif à partir d'un regard subjectif, puisque ce monde il est entièrement fabriqué à partir du point de vue de l'observateur et construit à partir d'un appareil géométrique, mathématique, pour qu'il devienne vraisemblable. Alors il y a une façon... c'est un peintre pour lequel j'ai une certaine affection, qui est Robert Campin, peintre du Nord encore. C'est une annonciation dont le panneau central a été retiré. Vous avez sur la gauche, et qui me semble figurer parfaitement ces deux objectifs figuratifs du naturalisme, c'est-à-dire d'écrire le caractère tout à fait singulier de l'intériorité humaine, et d'autre part donner à voir le monde comme un système organisé. Et vous voyez sur la gauche les deux portraits, enfin le portrait des deux donateurs, avec une extraordinaire qualité dans le rendu de l'individualité, du regard, etc. Et sur la droite, Saint-Joseph dans son atelier, avec là aussi ce qu'on pourrait voir comme étant une perspective maladroite au sens de la perspective florentine, bien sûr, mais qui est la restitution de la densité, de l'épaisseur et du caractère organisé du monde est rendue par le détail de cet atelier. La peinture de paysage, d'une certaine façon, c'est-à-dire la scène urbaine que l'on voit à travers la fenêtre. Quand on regarde en détail l'image, on voit que sur les outils de Saint-Joseph, il y a des poinçons, les clenches pour retenir les contrevents sont figurés dans tous leurs détails, etc. Donc
C'est le détail non seulement d'un morceau du monde, mais aussi d'une chaîne opératoire qui est celle d'un menuisier qui fabrique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fabrique ? Il y a eu des débats en histoire de l'art extrêmement vifs à ce propos. C'est probablement une la partie supérieure d'un piège. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le naturalisme, il y aurait beaucoup à en dire, surtout que c'est en matière d'image, c'est sur quoi on a le plus d'informations, évidemment. Je vais juste montrer une dernière image qui est un tableau célèbre de Van Eyck, la Vierge au chancelier Rollin. On voit là aussi les deux. C'est un tableau qui est d'une vertigineuse complexité, mais vous voyez là aussi le caractère complètement singulier du chancelier, qui est une sorte de premier ministre en l'occurrence, dans un visage qui est à la fois empreint d'autorité et avec une grande force intérieure. La Vierge, ça s'appelle une conversation mystique, c'est un thème assez classique à l'époque, et la Vierge n'est pas présente. Ce que il est représenté par Van Eyck, c'est le chancelier voyant la Vierge. C'est une vision de la Vierge et donc une communication avec la Vierge et la construction admirable, de non pas parfaite du point de vue de la perspective, puisqu'on a pu montrer qu'il y avait de très nombreux points de fuite dans ce tableau, mais d'une très grande complexité, en tout cas dans l'animation du monde qui est rendu visible par à travers la baie de cette pièce. On pourrait parler très longtemps du naturalisme. Je vais m'arrêter là-dessus parce que au fond les deux points principaux que je souhaitais mettre en évidence, à savoir le caractère distinctif de l'intériorité humaine d'une part, et le fait que les humains vivent dans un monde organisé et qui se traduit donc par la peinture de l'âme d'une part et la peinture de paysage de l'autre, l'invention de la nature dans la peinture, ces deux choses-là sont tout à fait visibles dans ce que l'on vient de voir. Je vais passer au naturalisme, au totémisme, en prenant quelques exemples australiens. Une façon de figurer les prototypes totémiques que les Australiens ont développés. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux principales. C'est d'une part figurer les prototypes totémiques et d'autre part en ne figurant rien de ce qu'ils ont laissé et d'autre part figurer les traces que les prototypes totémiques ont laissées sans figurer ces prototypes totémiques. La première stratégie, c'est celle qui a cours dans le nord-est de l'Australie et notamment avec cette technique de peinture qu'on appelle la peinture en rayon X, et qui consiste à montrer un animal avec ses organes et son squelette. L'idée étant que, comme vous pouvez le voir, l'animal est complètement inerte. Il n'est pas mort parce qu'il est éternel, mais il est engagé dans aucune interaction avec un autre être, et surtout sans aucun décor. Donc c'est un prototype, c'est un être qui figure dans sa composition interne la composition du groupe totémique dont il est, qu'il a conféré ses propriétés. C'est un gabarit, si vous voulez. Une autre peinture en rayon X des Coonwishcoom montre cela en insistant sur la similitude de structure justement
de l'animal totémique, le kangourou, antilope, qui est une espèce parmi d'autres de kangourou, et l'humain, en mettant, en figurant le kangourou debout et dans une position qui permet de rendre visible l'homologie de structure entre l'être humain et le kangourou. Tous les êtres totémiques ne sont pas nécessairement des animaux. Certains peuvent être des anthropoïdes, comme le Luma Luma ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il porte dans son corps des objets rituels qui sont la clé du bon fonctionnement du monde, dans ses testicules, dans ses poumons en particulier. Et ce qui est important de noter ici, par rapport précisément à la figuration naturaliste qu'on vient de voir, c'est qu'il ne s'agit pas d'un être dans le monde, il s'agit d'un être qui porte en lui les éléments du monde, et les éléments significatifs du monde et de la façon d'agir dans ce monde. Dans la partie centrale de l'Australie, je l'ai dit, ce que l'on cherche à montrer, ce ne sont pas les êtres prototypiques, ce sont les traces qu'ils ont laissées. Et ce sont des traces extrêmement concrètes, telles qu'un chasseur ou quelqu'un d'expérimenté peut les repérer dans le sable, dans la terre, et comme on le voit ici avec des graphèmes Walbiri, population de l'Australie centrale. Ces graphèmes, ils sont utilisés de différentes façons, en particulier lorsque les conteurs vont narrer les circonstances du passage sur Terre des êtres prototypiques. Les êtres prototypiques surgissent des entrailles de la Terre à un certain moment, connaissent différentes péripéties, interagissent avec d'autres êtres prototypiques, puis disparaissent en laissant, du fait de leur interaction entre eux, des traces à la surface du sol qui constituent le relief actuel, la topographie actuelle et même les caractéristiques de la végétation, des cours d'eau, etc. Et la façon de raconter ces récits éthiologiques et de tracer dans le sable les différentes étapes des événements que traversent ces êtres prototypiques et de façon indicielle, c'est-à-dire ce sont des traces, il ne s'agit pas, comme je le disais tout à l'heure à propos de la puissance d'agir des êtres prototypiques, des agents prototypiques, il ne s'agit pas de les montrer de façon ressemblante, il s'agit de montrer les traces qu'ils ont laissées. Et ici, par exemple, vous voyez ces figures en fer à cheval, ce sont les traces d'un bivouac dans lequel les êtres prototypiques se sont assis par terre et ont laissé la trace de leurs fesses dans le sable. Et les tableaux qui sont très connus et très appréciés dans le marché de l'art ethnique international des populations australiennes contemporaines reprennent en fait ces codes graphiques dans des compositions qui paraissent relativement abstraites et qui le sont d'une certaine façon parce que, comme on vient de le voir avec les dessins dans le sable ou avec les dessins sur certains objets rituels comme les turinga ou les boucliers cérémoniels, elles représentent des itinéraires. Et ces itinéraires sont caractérisés par les traces que les êtres qui ont suivi ces itinéraires ont laissées dans le sol. Donc vous voyez ici, ce tableau est en fait un mélange de traces de différents êtres qui ont produit dans le monde des changements topographiques qui attestent jusqu'à présent de la puissance de ces êtres prototypiques. Dernière formule, c'est
l'analogisme, la figuration analogiste. J'ai dit tout à l'heure qu'un des symptômes de la figuration analogiste était, ou l'un des indices qui, au-delà de la figuration d'ailleurs, qui permet d'identifier une ontologie comme étant analogiste, c'est la correspondance entre macrocosme et microcosme, qui n'est pas du tout centrale et même n'existe pas dans le monde totémique ou dans le monde animiste, mais qui est absolument centrale dans le monde analogiste. Alors, j'ai pris ici cette image du corps zodiacal parce qu'elle figure dans le même livre d'enluminure que celui que j'ai présenté au début du naturalisme le mois d'octobre, à savoir les Trierigeurs du duc de Berry, pour montrer à quel point cette période du début du XVe siècle est une période de transition dans laquelle on trouve tout à la fois des figurations naturalistes absolument les premières qui soient tout à fait caractéristiques et en même temps des figurations analogistes comme celle-là qui est le point, j'allais dire terminal, d'une très longue tradition de figuration du corps zodiacal, c'est-à-dire des rapports qui existent entre un corps humain et les signes du zodiaque, puisqu'on trouve des figurations très anciennes en Égypte et dans tout le monde antique, en Grèce et en Rome en particulier. Donc ici, on a un tableau de correspondance. Et ces tableaux de correspondance, ils ne sont pas simplement caractéristiques de la tradition européenne. On les trouve ici figurés, je pense, de façon pédagogique et pour un officier britannique par un peintre indien vers 1930. Et le problème, c'est que les correspondances, j'en cite quelques-unes, dans les formes du visible sont tellement complexes, elles sont difficiles à figurer puisque la totalité du monde connu en somme, peut trouver son équivalent dans le corps humain, dans certaines parties du corps humain. Donc, mais c'est une tentative, si vous voulez, un peu approximative de figurer ce réseau de correspondance. En fait, j'ai parlé de réseau parce que la figuration analogiste, c'est vraiment une figuration de réseau. De la même façon que l'animisme est une figuration de commutation, de métamorphose, la figuration analogiste, c'est une figuration de réseau. Et on le voit ici assez bien dans cette image d'une messa rituelle andine. Les messas, c'est un terme qui désigne dans toute l'Amérique hispanique, en Amérique centrale comme dans les Andes, des hôtels qui sont quelquefois des hôtels autochtones et quelquefois, comme dans le cas présent au Pérou, des dispositifs rituels de guérison manipulés par des guérisseurs métisses. Et donc, pourquoi est-ce que j'apprécie cette image ? Parce qu'elle montre bien que c'est la totalité du dispositif qui représente une image et non pas chacun des éléments qui le composent. Et ce réseau, il est composé d'éléments disparates. Il y a des sculptures qui sont des bastons de mando, ce sont des bâtons d'autorité, des autorités autochtones. Il y a des éléments précolombiens, comme vous pouvez le voir. Il y a des fioles avec des contenus très divers. Il y a des symboles chrétiens aussi, il y a une croix, il y a des statues de la Vierge, etc. Il y a des armes et le travail pour le guérisseur consiste à construire
entre différentes parties de cette installation, parce que c'est vraiment une installation au sens où on entend maintenant pour les installations artistiques, un réseau, un itinéraire, si vous voulez, un réseau qui va correspondre à l'itinéraire thérapeutique que le patient qu'il traite doit suivre. Autrement dit, c'est une table de possibilités, c'est un réseau de possibilités. Et c'est en ce sens que c'est la totalité de l'image qui fonctionne comme un réseau de correspondance. Une autre façon de concevoir ces réseaux de correspondance, c'est en figurant une descendance, en fait, un groupe de filiation. Ça, c'est un objet rituel des îles Cook. Vous avez l'ancêtre qui est tout en haut et les descendants qui sont sculptés en dessous et qui sont à la fois différents, et ils sont sculptés de façon effectivement à montrer que chaque génération a une forme qui diffère de la précédente et qui en même temps sont tous englobés à l'intérieur d'un même dispositif qui est celui de l'affiliation de la descendance. L'analogisme, en fait, c'est la diversité des éléments qui est structurée par des principes unitaires. Ici, c'est un principe unitaire de filiation. De ce point de vue-là, les chimères sont une caractéristique des figurations analogistes parce qu'elles ont pour caractéristique justement d'être composées d'éléments disparates, empruntés à plusieurs registres, mais d'être unifiées, si l'on peut dire, ou structurées par le fait qu'elles donnent l'illusion d'une autonomie biologique. Les chimères sont toujours plausibles, c'est-à-dire que les différents éléments qui les composent les rendent capable d'effectuer des actions de locomotion, qui sont ostensibles. Les dragons, toutes les formes de dragons, si vous voulez, Garuda, ou tous ceux que vous pouvez imaginer regarder dans le grand ensemble des régimes figuratifs analogistes ont toujours les ailes sur le dos pour rendre possible le vol et pas les ailes sur les chevilles comme Hermès où ces ailes sur les chevilles sont simplement un symbole de sa capacité de se déplacer et pas du tout la volonté de le représenter comme étant capable de se déplacer avec ses ailes ou les petites ailes qu'il porte sur son casque. Et de ce point de vue-là, les chimères sont intéressantes parce qu'elles permettent de figurer ici, c'est le cas d'un grand masque de la Diablada d'Oruro en Bolivie, qui est porté lors d'un festival qui dure depuis plusieurs siècles, qui maintenant est assez patrimonialisé, folklorisé, doit même avoir un label UNESCO, quelque chose comme ça, mais qui est intéressant, pardon, qui est intéressant parce qu'il combine des éléments précolombiens avec des éléments typiques des colonisateurs espagnols. On le voit dans ce diable, qui a des aspects classiques du diable tel qu'il est représenté en Europe, les cornes de bouc et les choses comme ça, et en même temps des éléments qui sont caractéristiques de l'inframonde et des divinités chthoniennes du monde andin, en particulier les dragons ou des reptiles, quelquefois, sur le haut de la tête. Et aussi, on le distingue mal ici, mais ce nez en forme de flèche qui est caractéristique de certaines espèces de chauves-souris sud-américaines et qui sont des animaux, évidemment, des gouffres
et des mines. C'est à Oruro, qui est une cité minière, et cette chimère représente au fond une sorte de compromis à travers une histoire assez compliquée que je ne vais pas vous raconter, d'un héros autochtone vénère la Vierge, mais que l'on accuse d'un crime et qui finit par mourir, etc. Et donc, chaque année, on va évoquer à travers cette chimère cette histoire dans laquelle, au fond, l'Église catholique accepte que des divinités précolombiennes apparaissent de façon manifeste dans une procession, et en même temps, les mineurs, puisque ce sont pour l'essentiel des mineurs traditionnellement qui portaient ces masques, acceptent que ce soit en l'honneur de la Vierge du Gouffre, puisqu'il s'agit de mineurs, que cette procession se déroule. Voilà, les différentes formes de figuration des régimes ontologiques que j'ai souhaité vous présenter. Encore une fois, ça n'est qu'un aspect, au fond, de l'entreprise que j'ai tenté de mener. Les images figurent du monde de chacun des types de mondiation, je l'ai dit, la commutation pour l'animisme et la métamorphose, l'exceptionnalité humaine du point de vue d'intériorité et l'existence d'un monde naturel pour le naturalisme, le caractère prototypique de certains êtres qui sont à l'origine de propriétés partagées entre humains et non-humains dans le cas du totémisme, et finalement la figuration de réseaux de toutes sortes dans le cadre de l'analogisme. Voilà, je suis prêt maintenant à répondre à toutes vos questions, si vous avez des perplexités, j'en doute pas d'ailleurs, sur ces images. S'il y a des questions, levez haut la main. Moi, j'ai une perplexité par rapport à l'image où on voit, je vais noter parce que j'ai oublié, le chancelier qui parle à la Vierge, oui. Qui voit la Vierge, parce que en fait, c'est un humain qui voit un esprit et qui converse avec, donc qui fait lien avec, parce que pour moi, quand vous parlez de mondiation, pour moi, c'est beaucoup meilleur de faire lien avec un groupe. Et du coup, je me demandais, voilà, comment... vous dites que c'est une image qui représente le naturalisme, mais là, on voit qu'on exclut peut-être les montagnes et les autres animaux non humains, mais on n'exclut pas les esprits chrétiens, et on leur donne même forme humaine pour discuter avec eux dans une même intériorité. Et du coup, je me demandais pourquoi est-ce que cette image représentait le naturalisme. Elle donne à voir la capacité d'un humain à imaginer et à se représenter une divinité, la Vierge en l'occurrence, avec laquelle il engage un dialogue. Et donc de ce point de vue-là, il s'agit d'un humain, il ne s'agit pas d'un animal qui va prendre... ou qui va manifester l'intériorité d'un humain. Il s'agit d'un humain qui est capable, par le déploiement de son intériorité, de sa piété, de son imagination intérieure, d'entamer un dialogue mystique avec une divinité. Et ça, c'est donc mettre l'accent sur une caractéristique propre des humains, c'est-à-dire sur le caractère exceptionnel des humains, de ce point de vue-là, pour le naturalisme en tout cas,
de déployer leur intériorité dans cette capacité de imaginer et de se mettre en rapport avec, en l'occurrence, des non-humains ou une non-humaine. C'est la question de la perspective. Qui fait la discussion? Alors, qui voit la discussion, c'est l'observateur. Alors, il y a un élément de polyperspectivisme là-dedans, c'est vrai. Comme il y a des éléments de polyperspectivisme dans les polyptiques, précisément, puisqu'on représente une scène complexe découpée en plusieurs tableaux, en trois ou quatre tableaux pour les polyptiques. Donc, dans ce tableau, le monoperspectivisme n'a pas encore complètement triomphé, puisqu'on représente un humain en train s'imaginer un dialogue avec un non-humain, en représentant tout à la fois l'humain et le résultat de sa vision. Donc, effectivement, il y a un élément de polyperspectivisme. Ce que je voudrais signaler, c'est ce que votre question me donne l'occasion de faire d'abord, c'est que les images excèdent de loin tout ce qu'on peut en dire. Et donc, ce qui est la grande difficulté, évidemment, que les historiens d'art connaissent bien pour travailler sur les images. D'autre part, il s'agit au fond d'une tendance, puisqu'on est au tout début du XVe siècle. La tradition de la conversation mystique est déjà établie depuis quelque temps. Et le naturalisme, j'ai dit que j'allais me cantonner au début du naturalisme, mais en fait, il y a une historicité du naturalisme qui est très intéressante. De la même façon qu'on peut dire que le naturalisme a inventé l'histoire, puisque c'est le seul régime de durée dans lequel il y a cette idée de la flèche du temps et du caractère cumulatif du progrès. De la même façon, on peut dire que dans le naturalisme, il y a une tentative de résoudre une sorte de contradiction initiale. Cette contradiction, quelle est-elle? C'est d'une part de dire que les humains sont les seuls à disposer d'une intériorité et que d'autre part, ils sont néanmoins naturels, comme le reste du monde. Donc, il y a une contradiction là-dedans, et cette contradiction, elle se résout au fil du temps par la dépendance de cette intériorité à des dimensions purement physiques. Ça a mis du temps, du point de vue conceptuel et scientifique, si on peut dire, puisque ça s'est développé avec ce qu'on appelle le programme naturaliste dans les neurosciences et en philosophie, depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire l'idée que la conscience, l'intériorité, est une propriété émergente d'une disposition purement physique. Mais ce processus a connu des étapes, et j'analyse dans les formes du visible l'une de ces étapes qui m'a paru importante, c'est ce qu'on appelait les scènes de genre dans la peinture hollandaise, et qui montrent humains dans des situations qui semblent un peu que les historiens de l'art ont eu l'habitude d'interpréter de façon standard comme des sortes de leçons de morale dans des situations ambiguës, si je puis dire, mais dont qu'on peut voir comme étant une façon de dépeindre des relations difficiles à interpréter entre des humains, c'est-à-dire qu'ils sont plus fondés sur l'intériorité, mais sur la situation purement sociale que l'on peut imaginer qu'ils traversent.
Il faudrait que je vous donne des exemples. Il y a un très bon exemple que j'utilise souvent. C'est celui de la peinture d'une femme qui on appelle la leçon de lecture et qui est face à un grand livre. Il y a un petit garçon qui lit ce livre qui est probablement la Bible. Et en fait, on s'aperçoit que ni la femme ni le petit garçon ne prêtent vraiment attention au livre. La femme est complètement perdue dans ses pensées, ne suit pas l'action qui se déroule devant elle. Et le petit garçon semble distrait aussi. Et donc, il y a entre eux un rapport social qui exclut, au fond, des rapports d'intériorité entre des agents sociaux. Ces mouvements se prolongent ensuite. Je ne vais pas faire, pas passer l'histoire de l'art européen en revue, mais il y a un moment de basculement qui est très important, effectivement, qui est la sortie du monoperspectivisme classique, en tout cas. C'est la révolution cubiste. Tout d'un coup, on figure des êtres, des situations de différents points de vue. Bon, les Demoiselles d'Avignon, par exemple, enfin, toutes ces peintures qui sont bien connues. Et tout d'un coup, on sort de ce modèle naturaliste en introduisant des dimensions nouvelles. Et de la même façon que les imagiers du XVe siècle ont, d'une certaine façon, préfiguré le naturalisme avant qu'il ne soit thématisé dans le discours. De la même façon, je pense, les imagiers, à partir du début du XXe siècle, ont préfiguré un bouleversement dans les canons naturalistes. On commence maintenant à entrevoir certains des linéaments, en particulier à travers des propositions un peu folles comme celle que je fais que la nature n'existe pas, ou bien à travers l'angoisse et les réactions de toutes sortes que provoque le réchauffement climatique, l'idée qu'on est entré dans un nouveau régime climatique, comme le disait Bruno Latour. Donc, on voit à quel point les imagiers ont préfiguré cela, et il y a toutes sortes d'artistes contemporains qui le font avec beaucoup de talent. On dissout en quelque sorte les éléments centraux du naturalisme, sans qu'on ait encore une idée très claire du monde nouveau dans lequel nous sommes entrés. Voilà. Moi, j'ai trouvé que les images que vous avez présentées très belles. Et puis, je me posais la question de quelle était la perception dans les différents collectifs non naturalistes de la question esthétique. Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une projection naturaliste sur les autres collectifs de nos préoccupations, en particulier de la question de l'autonomie de l'art? Enfin, je me posais la question de vous en avez parlé. Oui. Alors, c'est... L'art, c'est quand même un concept naturaliste qui plonge ses racines dans une tradition prénaturaliste, qui est une tradition analogiste, et notamment dans les pratiques et les textes de la Grèce antique et de Rome. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre de façon générale, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois essayer de comprendre quels sont les critères esthétiques
qu'un collectif se propose de suivre et au moyen desquels il se propose de juger en quelque sorte de l'émotion que peut susciter une image. Mais vous avez vu que les images sont de nature très différente. Les images animistes sont en quelque sorte des humains transformés en esprit. Et c'est donc la dimension esthétique, elle est fondée aussi sur, puisque encore une fois, ça se passe dans des rituels. Bon, il faut dire de toute façon que la plupart des images avant le XVIe siècle, ce sont des images religieuses ou rituelles, ou en tout cas qui n'ont pas pour fin directe la satisfaction esthétique ou la dilection esthétique. C'est les images animistes, donc elles doivent rendre vraisemblable la présence d'un esprit et sa métamorphose, et pour cela les moyens que l'on emploie sont des moyens qui sont moins des moyens immédiatement esthétiques que des moyens qui permettent avec une certaine vraisemblance d'imaginer que le spectacle que l'on voit est un esprit qui a temporairement ou qu'un humain va temporairement incarner, dont il va incorporer le point de vue, etc. Donc c'est une question qui est difficile de répondre. Dans certaines circonstances, je pense aux images analogistes de la Chine et du Japon, la dimension esthétique joue un rôle, et puis il y a des connaisseurs qui vont discuter de la qualité d'exécution des images. On a ça en Afrique de l'Ouest aussi, dans l'art de cour en particulier, dans les sculptures, il y a des connaisseurs qui sont des courtisans et qui vont juger de la qualité de ces sculptures à partir de critères locaux. Donc, on ne peut pas parler d'une esthétique générale, mais à chaque fois, il y a des critères locaux. Ce que j'essaie de faire, moi, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ethnologie de l'art, qui est l'équivalent de l'histoire de l'art, c'est-à-dire la description par des ethnologues des conditions de la signification et de la... Des critères esthétiques qui sont favorisés par telle ou telle culture. L'ethnologie de l'art le fait très bien. Moi, ce que j'ai voulu faire, dans une perspective comparative, ce n'est pas de l'ethnologie de l'art, c'est de l'anthropologie des images, c'est-à-dire des différentes façons qu'elles ont de figurer précisément des principes, des caractéristiques de formes de mondiation tout à fait singulières. Donc, c'est pas une réponse, on ne peut pas donner de réponse générale, il faut au cas par cas, et en fonction de ce que l'on sait des critères localement utilisés pour définir la capacité qu'ont des images à faire surgir des émotions, de juger de ce qu'est la dimension esthétique. Je vais donner un exemple. J'ai une collègue qui a travaillé en Nouvelle-Bretagne, donc en Océanie, en Mélanésie, chez des populations qui s'appellent les Sulka, qui font des grands masques, costumes très impressionnants, et sur lesquels, par exemple, Breton avait écrit lorsqu'il les a découverts dans le Field Museum à Chicago. Il a été absolument subjugué par ces masques. Et il a donc ressenti quelque chose que les Sulka eux-mêmes ressentent. Et ce que cette collègue a montré, c'est que lorsque les gens, les spectateurs, sont profondément touchés par un masque, ils sont en droit d'exiger une réparation du fabricant du masque, parce qu'il est entré, en somme, par effraction dans leur
pathos dans leurs, dans leurs affects et que c'est quelque chose qui est mal vu. Donc là, c'est un critère esthétique. Hein, c'est, on peut juger de la dimension esthétique dans le succès. Si vous devez, si, en tant qu'imagier, vous devez payer une image, c'est que vous avez réussi votre, votre affaire. Grand merci pour votre présentation. C'était très passionnant. J'ai trois questions. Je vais essayer d'être claire et courte. La première, je veux juste revenir un peu, encore une fois, sur la première question posée tout à l'heure. Je trouve ça un peu perturbant, si on pourrait dire, dire que le naturalisme, il était présent dans les images bien avant la révolution scientifique. Pour moi, ça exige une explication pourquoi ce sera le cas. Surtout aussi parce qu'on pourrait imaginer que le Moyen-Âge était beaucoup plus propice pour analogisme que naturalisme. Et aussi parce que la peinture du Moyen-Âge, elle était pleine de symbolisme. Même le proto-réalisme, il était plein de symbolisme. Donc, dire que ça, c'était naturel, pour moi, ça demande une explication ou peut-être plus de... Je ne comprends pas très bien la question. Les questions, ok. Oui. Parce que vous avez montré les images oui. qui prédatent la révolution scientifique de à peu près 2 siècles. Oui. Et vous dites que ces images, elles démontrent déjà le naturalisme. C'est quand même un peu surprenant. Ça, pour moi, ça demande l'explication. Pourquoi est-ce qu'on voit ça dans les images 2 siècles avant la chose qu'on pourrait allemand appeler naturalisme? Donc, c'est la première question. Regardez ça. Je vais peut-être répondre à chaque question, à chaque fois. Donc, la première question, c'est que montrent ces images et qu'est-ce qu'elles montrent de nouveau par rapport à ce qu'elles montraient, je ne sais pas, je pense aux deux panneaux de du triptyque de Campin, à ce qu'elles montraient encore une vingtaine d'années auparavant. Donc, comme vous l'avez dit, pour le Moyen-Âge, c'était des êtres qui avaient une dimension purement symbolique. Ils n'étaient pas là en tant qu'individus singuliers, ils étaient là en tant que représentants d'une position à l'intérieur d'une hiérarchie religieuse ou comme symbole religieux de telle ou telle manifestation du christianisme. Donc, ça se voit dans les images. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi? Ben, on peut penser que, parce que, comme on l'a souvent souligné, ce qu'on appelait les frères voyants, c'est-à-dire les imagiers, ont des capacités de préfiguration, de fabrication de monde qui sont en avance sur celles des pauvres primitifs dans mon genre, se contente d'observer une situation générale et d'essayer d'en faire une théorie. Voilà le genre de questions qu'on peut répondre. Mais c'est surtout la nature même des images. Elles diffèrent très, très profondément. Les images de Campin n'ont pas les premières, hein, 1404, n'ont aucune... équivalent, on n'a aucun équivalent quelques années à peine plus tôt. Donc il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé que des imagiers se sont mis à s'intéresser à des aspects du monde auxquels on ne s'intéressait pas auparavant et ont voulu figurer ces aspects du monde de façon privilégiée. Ça ne veut pas dire qu'ils ont inventé une théorie naturaliste, c'est moi qui parle de naturalisme, évidemment, hein, mais qui se sont intéressés de façon privilégiée à des aspects qui avaient été négligés auparavant et qui sont précisément l'illusionnisme visuel. On ne cherche pas à faire de l'illusionnisme visuel auparavant, même si on en avait probablement les moyens techniques. Et d'autre part, l'émulation de la vision humaine et encore une fois la singularité des sujets humains qui apparaissent au premier plan et la singularité de la peinture de paysage aussi. Alors on peut discuter, et on l'a fait, je le fais d'ailleurs dans les formes du visible, s'il y a
des prémices ailleurs, dans les portraits du Fayoum, par exemple, ou dans les portraits de Pompéi. Ou s'il y a des équivalents dans la figuration des paysages ailleurs, de façon précédente. Le problème, c'est qu'il en reste très peu de traces. C'était principalement des fresques, elles ont disparu. Mais on a quelques descriptions. Ce que l'on sait, c'est que ces peintures de paysages, à Rome en particulier, avaient un statut très médiocre. Comme elles l'ont eu d'ailleurs d'une certaine façon à la Renaissance, puisque les peintres du Nord spécialisés dans le paysage étaient invités par les peintres toscans à faire le fond des tableaux qui sont des images religieuses pour l'essentiel. Donc c'était considéré un peu comme quelque chose de sans grand intérêt. Et encore plus à Rome, où les peintres de paysage étaient un peu comme les peintres dans les pizzas, si vous voulez, qui représentent le Vésuve sur les murs, choses comme ça. Les descriptions qu'on en a sont assez peu flatteuses. Deuxième question. Non, peut-être que c'est les deux autres gens qui me posent la question. Je vais lâcher la question. Le temps passe quand même. Il est bientôt 10h. Et puis, notre conférencier a déjà donné une conférence à la Chaux-de-Fonds hier. Il vient des États-Unis. Peut-être qu'on va le ménager aussi. Et il doit donner encore un cours demain matin à 9h, ici à l'Institut, dans le cadre du cours d'Octave Desbarry. Donc, peut-être qu'on va ménager un tout petit peu tout le monde. Mais. Peut-être que les questions peuvent se poser encore un tout petit peu autour d'un verre à la cafétéria, si ça vous convient. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour ce grand voyage. Parce que finalement, ce voyage a l'air d'être parti d'une exposition et d'une première réflexion, et puis manifestement s'est déployé. Ça, c'est un autre dispositif peut-être que celui qu'on a nous habituellement. On travaille sur des expos, on produit quelque chose, puis après on laisse ça de côté. Là, il y a un travail d'exposition qui ouvre après tout un champ de travail pour aboutir à un livre et à la conférence. Ah, parce que c'est donc, toujours peut-être qu'il y aura un crève-cœur de faire une exposition, d'abandonner, de l'avoir démantelée. Ça a été pour moi une épreuve terrible. Il importe de pouvoir continuer le travail autrement. Alors, c'est aussi un crève-cœur pour nous. L'exposition L'impossible sauvage ferme ses portes dimanche. Donc, si vous voulez nous accompagner dans ce deuil, venez encore jusque-là et jusqu'à dimanche, parce qu'il y aura une grande fête. Lors de la journée internationale des musées dimanche pour fermer l'exposition avec une grande visite. Merci encore beaucoup pour ce voyage. On se réjouit de vous revoir une autre reprise à Neuchâtel si vous revenez. Et puis, bonne rentrée à vous. La cafétéria est ouverte. On peut poursuivre la discussion. Merci. Merci.